Qui suis-je ? Je suis un célèbre auteur français du XVIIIe siècle appartenant au siècle des Lumières. Durant la première partie de ma carrière, j'ai d'abord été journaliste, fréquentant les salons littéraires à la mode et publiant des chroniques et des croquis dans la presse. Le début de ma carrière se caractérise par des romans précieux ou parodiques. J'ai rapidement connu un succès dans la presse en écrivant des lettres sur les habitants de Paris, avec des croquis et des anecdotes à l'appui. J'ai rapidement connu le succès au théâtre dans les années 1720. Mais mon plus gros triomphe reste L'île des esclaves en 1725, suivi de ma pièce Le jeu de l'amour et du hasard en 1730. Ma carrière littéraire a évolué. Après ma faillite, j'ai cherché à vivre de ma plume. J'ai surtout écrit pour le théâtre et j'ai été élue à l'Académie française en 1742, préférée à Voltaire. Oui, vous m'avez bien reconnue, je suis Marivaux. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. À très bientôt.